Good morning à l'idée de nous suivre aujourd'hui le Nishmat Chaya Esther Bat Miriam ainsi que leur fois Tolevi Israël Shimon Ben Chaya Esther Hamshat Miriam Bat Roselena Binyamin Ben Chibiba Betor Shar Chol Israël. Si vous êtes aussi des deux prochaines études de demi Mishnah contactez 5 minutes éternelles. Nous étions Maskat Shabbat Perik Rav Bet Mishnah Alef Chavit Shanish Bera Matzine Nemen Amazon Shalosh Seudot Vomar Lachrim Bo Vatzilu Lachem Bilvad Shalu Ispog En Sochatin Et Teperot Lotzi Mehen Mashkin Vim Yatsu Me'atzman Asurin Rabbi Yehuda Omer Im Le'ochlin Ayotzemen Mutar Im Le'mashkin Alsemen Asur Chalot Dvash Sheriskan Me'erev Shabbat Vyatsu Me'atzman Asurim Rabbi Eliezer Matir. On a une Mishnah qui va parler de manière générale un peu de l'interdit de presser sous différents interdits d'Arbanan. On commence par traduire d'abord en premier cas qui est un petit peu pas tellement en rapport avec le reste du Perek en fait. Si on a un tonneau qui s'est cassé pendant Shabbat, donc on a du vin qui est en train de se perdre, on a envie d'apporter maintenant des ustensiles pour récupérer au moins le maximum de vin possible. La Mishnah m'enseigne, tu auras le droit de sauver de ce tonneau uniquement l'équivalent le nécessaire pour 3 repas, mais pas plus. Moi aussi, tu pourras dire aux autres, tu pourras taper à la porte des voisins, en leur disant... Bon, Batsilo Lachem, venez vite sauver du vin, prenez du vin parce que tout est en train de se faire perdre, alors sauvez-moi ce que vous pouvez pour vous. Bilvad chez lui spog, mais à condition qu'il ne va pas éponger. Et on explique un petit peu mieux quand on parle. Ça ressemble étroitement à Perek Kol Kidve, le Perek Tetzain. On avait vu le cas où il y a un incendie qui s'éclaire pendant Shabbat. Là, on parle maintenant d'un tonneau qui se casse pendant Shabbat. En théorie, il n'y a aucun problème de sauver tout le vin que tu veux. Notre seul problème, c'est que si on va te permettre d'utiliser des ustensiles pour le récupérer, tu vas épuiser le stock des ustensiles chez toi, tu vas partir chercher les ustensiles du voisin, et là, tu risques machinalement de transporter sur la voie publique. Du coup, Rami m'ont dit, eh ben, on t'interdit, tu sauves que le strict minimum pour le Shabbat, et le reste, tu laisses partir en perte. Tu pourras malgré tout inviter les autres voisins à sauver eux aussi. D'accord ? Vomer la rimbo, mais pourrait dire aussi à des autres personnes, venez vous sauver le vin. Aval, la mission précise au Belvage, je lui spoil. Ma condition, dans aucun cas, même quand tu sauves quoi que ce soit, jamais tu n'es sauvé, jamais tu n'éponges. C'est-à-dire, même, le partenaire précise, même si on parle d'une éponge, comme on avait vu dans la fin de la Mishnah précédente, dans la fin du Perek précédent, une éponge où, qui a une poignée, qu'on a le droit de la déplacer pendant Shabbat, là, si je te permets d'éponger le vin qui s'est renversé, tu risques machinalement. Plus que machinalement, même volontairement, à un moment pressé pour récupérer le maximum de vin. Donc, on interdit totalement d'éponger. Même mieux que ça, l'Agman nous dit, même ramasser avec le doigt. Imaginez, c'est du miel avec un ustensile, je ramasse avec le doigt et je fais comme ça. Ça aussi, c'est interdit, cette fois-ci, à cause de Houdin Vechol. Un sujet assez vaste dans Shabbat, se conduire pendant Shabbat, comme ce qu'on a l'habitude de se conduire pendant les jours de Chol, c'est assez vaste. Je continue. Je commence par traduire d'abord. On ne pressera pas des fruits pour faire sortir d'eux des liquides. D'accord ? Interdit de presser à Shabbat. Et si ils sont sortis tout seuls, ces liquides, d'eux-mêmes, ben, Michel me dit à Sourine, j'ai pris, il y avait des raisins par exemple qui étaient dans une boîte, prêts pour être mangés, et puis ils se sont mis à tous se fendre. Et faire couler du jus de raisin au fond. Est-ce que j'ai le droit de boire ce jus de raisin? La Mishnah me dit, ben, viens bien sous ma semaine, mais si c'est sorti de par eux-mêmes, sans que personne ne les presse, et bien malgré tout, c'est assourd, on les interdit à l'utilisation. On n'a pas le droit de les boire. Rabbi Yehuda nous dit, im lochlin et semen mutar. Si les fruits sont prédestinés à être mangés, le liquide qui va en sortir sera permis à la consommation. Vim les mashkin, par contre, si ce sont prédestinés à être pressés, alors. Ayotsemen Asur, ce qui va sortir, le liquide qui va sortir d'eux-mêmes machinalement, sera défendu. On explique un petit peu de quoi on parle. D'abord, pressé pendant le Shabbat. C'est un interdit de dash. Un interdit de dash, de... comment dire? C'est quand on écrase le blé, on écrase l'écorce pour faire sortir la petite graine. C'est à cause de ça que l'interdit de dash, on considère que le jus, dans le jus de raisin ou dans l'olive, il est imbibé dans la chair du fruit. Et lorsque tu appuies, tu transgresses l'interdit de dash au même titre. Ça, c'est de manière générale l'interdit de presser ton Shabbat. De ce fait, la Mishnah me dit maintenant, les fruits, maintenant, tu as le droit de presser aucun fruit pour le manger, pour le boire pendant Shabbat. D'accord? Pour en faire sortir un jus, c'est défendu. Par contre, Vimyatsumasan, s'ils sont sortis d'eux-mêmes, nouvelle question.
On avait des raisins qui étaient propres, pas de problème, on les a gardés dans un bac. On arrive le lendemain, on remarque qu'il y a plein de raisins qui se sont fondus et qui ont fait couler déjà du jus de raisin. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser ce jus de raisin pendant le Shabbat? Est-ce que j'ai le droit de le boire? Alors la Mishnah m'enseigne Rabbi Yehuda Omerim Leochlin. Alors, Chachamim, ils ont dit c'est interdit. Pourquoi? De peur que tu vas aller presser d'autres raisins. Ok? Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous enseigne comme ça. Im Leochlin Ayotsemen Motar. Si toutefois les raisins sont prédestinés à être mangés, alors le liquide qui va en dégouliner sera permis. C'est un mauvais exemple que j'ai pris des raisins. Il ne faut pas dire raisin, il faut dire, on parle pour le moment de grenade par exemple. Après je vais expliquer pourquoi. Donc je reprends sur Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit, si toutefois le fruit est prédestiné à être mangé, par exemple tu as un panier où tu as des grenades, tu les as tous mis là-bas, et puis tu as récupéré plein de jus, à Yotsemen Moutar, ce qui va dégouliner d'eux, ce sera permis. Mais par contre, si les... si les raisins qui étaient, on a dit les grenades qui étaient récoltées dans ce panier, eh bien, elles sont prédestinées à être aussi moulues, comment dire, écrasées, pressées pour en faire sortir du jus de rimon, comment dire, je suis fatigué, ça va pas, de grenades. Alors, si toutefois, désolé, il est tard et je suis obligé de faire le cours pour demain, mais ma tête, elle ne marche pas. Donc, veillez les machines. Donc, si les fruits sont prédestinés à être bu, alors, à Yosemen, à Sour, ce qui va dégouliner d'eux, ce sera interdit. Le Bartanora nous fait un petit peu d'ordre. Il résume une Gemara, une très bonne Gemara qui parle de plusieurs options. Concrètement, on distingue trois sortes de fruits. Il y a, d'un côté, le vin et le raisin et l'huile d'olive. Ce sont le machke, que le fruit essentiel du raisin et de l'olive, c'est leur liquide. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait la bracha de Brepri à Geffen sur le jus de raisin. Parce qu'on considère que le jus de raisin est encore mieux que le raisin. C'est même plus un prix à être, c'est un prix à Geffen. Et idem aussi pour l'huile d'olive, qui est encore plus haute que l'olive elle-même. C'est un produit qui est plus, comment dire, qui est de plus grande valeur que le fruit lui-même. À l'autre extrême, il y a tous les autres fruits, notamment ce que vous voulez, d'accord? Même le jus d'orange. Au milieu, on a les tutim verimonim. Tutim verimonim, c'est les fraises et les grenades. La Gemara, elle explique que cette fois-ci, on a un peu plus l'habitude de boire des jus de fraises et de grenades. Alors, du coup, ça se passe comme ça. Si toutefois, tu as des raisins ou des olives, même s'ils sont prédestinés à être mangés, si tu les as mis dans un bac, dans une boîte, et après tu récupères, tu vois qu'il y a du jus dedans, tu n'auras pas le droit de boire ce jus-là, d'après tous les avis. Pourquoi? Parce que comme le jus, donc l'huile d'olive ou le jus de raisin, ils sont de meilleure, plus grande valeur que les fruits, tu risques de trouver que ça a un bon goût et de presser machinalement, et là tu transgresses un interdit de la Torah. Donc du coup, on t'interdit de boire tous les machkins chez vous, tous les liquides qui ont coulé d'eux-mêmes, pendant Shabbat, même si les fruits sont prédestinés à être mangés. À l'autre extrême, maintenant, c'est discuté dans la Gemara, mais la conclusion est comme ça. C'est les autres fruits que on parle de prunes dans la Gemara, on parle de qui ne sont pas prédestinés à être pressés. Alors, si le liquide a coulé de lui-même, tu auras le droit de le boire. Si toutefois, ils étaient prédestinés à être mangés, bien évidemment. Parce qu'ils n'ont pas d'autres fonctions. En général, ce n'est pas des fruits qu'on presse. Là, tu auras le droit de boire le liquide d'après tous les avis. Et il y a au milieu les tutim verimonim, les fraises et les grenades. Les fraises et les grenades. Que, donc, s'ils sont prédestinés à être pressés, tu n'auras pas le droit de boire le jus, d'après la bio, d'après tous les avis. Si toutefois ils sont prédestinés à être mangés, le jus qui va en dégouliner, ça fait l'objet de la marloquette qu'on a en ce moment, que Imiatsu Matsuman Asurin, s'ils ont coulé d'eux-mêmes, c'est interdit d'après Tanakama, et d'après Rabbi Yehuda, non, c'est permis, si toutefois ils sont Imleochlin, s'ils sont prédestinés à être mangés. Dernier sujet de la Mishnah, Chalot Dvash Sheris Kan, mais Erev Shabbat Veyatsu Matsuman. Des rayons de miel qu'il a ris sec, il les a écrasés avant Shabbat, depuis la veille de Shabbat, Yatsu Matsman, une fois qu'il les a écrasés avant Shabbat, eh bien le miel a dégouliné de même. C'est-à-dire le rayon de miel, c'est ce qu'on trouve dans les ruches, et là, ça s'appelle des chalot de vache, des petits pains de miel en hébreu, et même en français apparemment, et donc des pains de miel, où il y a dedans hein, donc le miel qui est enveloppé sous une sorte d'écorce de cire, de miel, qui est aussi mangeable d'ailleurs. Maintenant, il y a un interdit pendant Shabbat de le presser.
Je ne sais plus si c'est un interdit midoraita ou midorabanan, j'ai un petit doute, je crois que c'est une marloquette sur ça. Je préfère pas m'engager. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on n'a pas le droit de le presser pendant Shabbat. Maintenant, la question, elle est comme ça. Si tu les as pressés avant Shabbat, c'est-à-dire tu les as écrasés avant Shabbat, donc maintenant, naturellement, le miel, il va couler. Tout naturellement. Alors, la Mishnah me dit, ben, il y a une marloquette sur ça. Tanakama, il va te dire, non, malgré tout, tu n'as pas le droit de prendre ce miel pendant Shabbat qui va dégouliner. Pourquoi? De peur que la prochaine fois, tu vas peut-être presser ces rayons pendant Shabbat. Ça, c'est la vie de Tanakama. Et Rabbi Eliezer m'a dit, Rabbi Eliezer, on peut mieux parce qu'il va te dire, non, les gens, ils vont bien distinguer entre le rayon de miel qui était déjà qui était entier, là que c'est interdit, avec le rayon de miel qui était déjà écrasé, que ça coulait de lui-même. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, juste une journée pleine, Vatzlacha, Kol Tov, Salam.